On disait que vous ayez une action dite infantilisante auprès des enfants, c'est bienvenu. Ce qu'on trouvait, c'est que vous ayez une action dite infantilisante. Je comprends bien sûr qu'elle ne l'est pas, mais que c'est l'image qu'il y avait auprès des personnes âgées. Là, ça paraissait comme, au fond, nier la gravité des problèmes de l'âge. Oui. Je pense que ce qu'on a appris, c'est aussi de voir... Oui, on le faisait et on voyait les succès, puis ce que ça amenait comme émotion, ce que ça apportait comme bien-être aux gens. Par contre, on n'avait peut-être pas su l'expliquer et le diffuser, finalement, que ce personnage du clown et ce qu'on fait dans les détails, c'est pas juste d'arriver avec un ballon, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, peut-être qu'on n'avait pas su trouver les mots et les moyens de le faire connaître. Donc, en fait, je trouve aussi que c'est le mot infantilisant n'est pas bien compris par tout le monde, il n'y a pas la même définition. Donc, pour nous, nous ne sommes pas infantilisants parce que infantilisant, pour nous, ça veut dire quand on enlève le pouvoir, on enlève le choix de quelqu'un, quand on impose un comportement. Et nous, justement, quand on arrive, on demande la permission, est-ce que vous voulez rentrer en contact avec nous? Est-ce que vous voulez la visite? Et si la personne dit non, on va la respecter, puis on s'en va. Mais toutes nos interventions viennent de la personne, puis de c'est quoi leur... c'est quoi leur goût, c'est quoi leur... qu'est-ce qu'ils veulent, puis on va bâtir l'intervention autour de ça. Mais pour certains, infantiliser, ça peut... S'ils voient une personne âgée qui joue, qui sort la langue, qui chante une chanson enfantin, pour eux, c'est infantilisant. Mais si ça vient de la personne, puis eux, ils ont le goût de sortir la langue, de chanter la chanson d'enfant... Ça veut dire que nous, on va l'appuyer là-dedans, puis on va l'accompagner. Mais si quelqu'un passe puis voit ça, ils peuvent juste dire « Ah, c'est infantilisant », sans savoir c'est quoi autour, c'est quoi la profondeur de ce qu'on fait.